Jusqu'à ce soir. Parce que moi j'aurais fait de faire la lecture, mais je pensais que c'était des gens comme Jean-Luc. Enfin, je m'étais dit, faut déjà que j'ai, avant de faire ça, faut que j'ai un métier qui me rapporte des hyper des délits, quoi, tout faire, c'est la vie. Bonjour, je vais bien vous prendre l'emblème de Paris, s'il vous plaît. Ouais. Merci à vous, au revoir. Thank you.
J'avais pris le métro, pareil. Thank you.
Est-ce que vous préparez une petite crêpe? Une petite crêpe, super. Après, peut-être je vais passer à la queue là, ou on peut prendre tout de suite? Alors, non, on va prendre la queue. N'hésitez pas à nous suivre. Vous avez un Instagram, quelque chose comme ça? D'accord. Il est affiché quelque part, comme ça je... D'accord, je vais le trouver. Je vais le trouver. Super, merci beaucoup. Ça fait un peu mouillé dessus, ils ont des problèmes. Ouais, mouillé dessus, ça peut passer. Ah, c'est le mode. Ouais. Ouais. Celle-là, pareil, t'en mets plusieurs à la fois, c'est pas mal. Le bélier, bah, c'est un symbole de force, hein, viril. Mais ce qu'elle raconte, elle est très drôle. On le retrouve là. Et là, ils sont tous à l'envers parce que ça se regarde de l'autre côté. D'accord. Et ce qu'explique Irène, c'est que. C'est un peu la,
la virilité, mais c'est pour une paternité spirituelle. Ok, voilà. Je vois à peu près, j'ai déjà vu quelque chose. Oui, ouais. Oui. Et là, j'ai pas entendu ce qu'elle racontait sur la corde, donc ça c'est à elle de vous l'expliquer. J'ai pas tout écouté. Bonjour. Voilà, et Irène, Adriane, et là sur la corde, je n'avais pas le... Ah, la corde. Ici, en fin de compte, tout ce qui est en bois, ça représente des chapiteaux romans. D'accord. Et de l'autre côté, la signification, un petit peu pour permettre au public de reconnaître les sculptures qu'on peut voir dans les églises romanes. D'accord. Et ici, parfois, on peut voir des cordes sculptées sur les églises. Et la corde, c'est pas si anodin que ça. En fin de compte, la corde relie les hommes entre eux, comme le signifie le mot de la religion. Exactement, étymologiquement, c'est intéressant. Ouais, comme, C'est ça, oui, et ce serait peut-être pour cette raison qu'on trouve des cordes sculptées. D'accord. Là, ici, on peut voir le signe du zodiaque du bélier. Ok. Ici. Qui est... qui symbolise la virilité, c'est la ça virilité, qui... ouais, mais c'est spirituel, un... oh, d'accord, spirituelle. Ok. D'accord. On peut le reconnaître que c'est une force spirituelle grâce à justement cette corde. Tout l'ensemble, le bélier, le lion, repose sur une corde de la religion. D'accord, ok. Là, on revient à la corde. À la corde. Ouais. J'aime bien ce motif parce qu'on comprend bien que les chapiteaux, c'est une lecture médiévale qu'on fait en fait. D'accord. On peut voir des éléments petit à petit, on peut comprendre, restituer. Mais on ne peut pas classer les ornements par un ordre alphabétique comme ça. Okay. Tout dépend du contexte et de qui fait l'analyse. D'accord. On peut l'interpréter aussi à notre manière. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. En restant quand même dans le cadre. Mais c'est pourquoi je me suis permise de montrer simplement le nom des ornements. D'accord. Ici, le voile et là, l'amande. Ouais, et aussi l'amande, ouais, j'ai eu l'explication. Ah ouais. Ouais, du coup, par. En tout cas, ma version, mais peut-être. Ouais, après, ouais, peut-être il y a une version différente. On peut dire beaucoup de choses sur l'amande. Elle rappelle aussi deux cercles qui se croisent et qui rappellent la Trinité et qui forment une amande. Okay. Deux cercles se croisant. Dans cette forme, on retrouve toujours le Christ, la Sainte Vierge ou le Saint qui est sur l'église. Et c'est cette amande qui a une coque assez solide, qu'on retrouve ici, la coque de la connaissance du Christ et l'intemporalité, d'accord, l'éternité. Okay. D'autres même pensent et vont même plus loin en trouvant que cette forme rappelle l'origine du monde. Aussi, ouais, ça peut être interprété. Après, ça reste délicat comme interprétation. Ouais, c'est vrai, par rapport à... Mais comme l'héritage est païen, on voit quand même souvent des choses un petit peu plus charnelles. Salut, ouais, les étoiles vrai. De Compostelle. Ah oui, oui. Ah oui, bien ouais. sûr. Même, ouais, même le bélier. Ouais, et là, parce que ça. Moi, je l'avais pas entendu, mais peut-être vous l'avez déjà entendu sur le... Celui-là, il est... je l'aime bien parce que vous le verrez bien à l'endroit de ce côté. D'accord. C'est pour vous aider quand on ne reconnaît pas un personnage. On se demande s'il est saint ou pas saint. D'accord. Et plus un personnage a des drapés, plus le souffle de l'Esprit-Saint souffle dans ses jambes. C'est pourquoi le drapeau se multiplie et qu'il est orné. D'accord. Moi, on peut lire encore plus de choses sûrement, mais je propose ça. On peut faire attention à l'ornement. Intéressant, ouais, très intéressant. Du drapé. Le monstre qui a deux langues, okay, nous dit de rester prudent devant les personnes qui ont un double langage. D'accord. Et qui ont la langue trop bien pendue. Très bien. Et on peut se rappeler et que après, ouais, celui-ci, c'est la langue. D'accord. Du mensonge ou pas. Ici on a partout, l'escalier, non, oui, ouais, un voilà. Escalier et j'ai bien retenu. Souvent sur les chapiteaux, des marches qui vont vous permettre de monter jusqu'au ciel. Intéressant. Et ainsi de suite. Là, ici, un contorsionniste qui a l'âme toute retournée d'avoir découvert le bon Dieu et qui élève son corps vers le ciel comme la gymnaste ici qui s'est entraîné à travers les épreuves de la vie à s'assouplir. Intéressant, ouais. Comme on le sait, dans la vie, on est toujours
en dancy avec des hauts et des bas. C'est pourquoi les sculpteurs pourraient sculpter ce motif sur les arches ou sur les chapiteaux. Et on l'appelle ce motif les denticules ou les dents de scie. D'accord. Et oui. Et celui-là, le dernier, on peut le trouver devant les façades que vous verrez mieux de ce côté aussi. Ok. À l'endroit, c'est l'homme barbu qui a une longue barbe, des longs cheveux, une longue moustache. Ses poils ont poussé car le temps a passé et perdre. Rappelle-toi que le temps passe et que tu ne dois pas utiliser tes talents. Que ton temps est compté et tes talents inutilisés seront comptés. On a la version féminine avec la femme aux cheveux longs aussi. Et chaque médaillon est entouré d'un anneau doré pour rappeler que les églises sont peintes et colorées à l'époque. Intéressant. C'est intéressant. Et ici, c'est comme un objet, c'est un objet de musée. J'ai donc proposé des médaillons aimantés. Okay. De la reproduction ici. De toutes les. Okay. En taille réelle que vous avez, vous pouvez les aimanter comme ça ici, si vous le souhaitez. Ou avoir des miniatures en cale papier. D'accord, voilà. Très bien. Qui ne sont pas aimantés ceux-là. Et on peut vous trouver où sur les réseaux Alors, ou quelque chose comme ça? Alors, j'ai un compte Instagram ici. Thank you.
Et toi, t'es une D'accord, je mets ça où? Oui, mais dans le Et du coup, qu'est-ce que vous faites comme... Moi, je fais de la copie de tableau. D'accord. Donc là, c'est... Donc là, c'est un Van Gogh, c'est ça? Oui, c'est la nuit étoilée. Super. Et après, c'est sur copie. D'accord. Donc, vous reproduisez toute œuvre. Ok. Très bien. Et du coup, ouais, si on veut vous contacter, c'est... J'ai plusieurs projets en même temps, mais je pense qu'il est vraiment grand. D'accord. Et au quotidien, c'est de la restauration. Et sur mon temps libre, D'accord. Du coup, de la restauration sur les objets, enfin, sur les instruments de musique ou d'autres choses. D'accord. D'accord, ok. C'est plus précis. Ok. Très bien. D'accord. Très bien. Et votre collègue à côté s'occupe de... D'accord. Très bien. Nous, on est là vraiment juste pour présenter le métier et faire découvrir un peu D'accord. ce métier qui n'est pas particulièrement connu. Mais avec plaisir. C'est vrai. Pareil, l'horlogerie, c'est un peu... Ouais, pareil, c'est... Ouais. Et c'est intéressant de... C'est pas aux familles qui viennent, aux enfants... Exact, ouais. Et du coup, vous avez un atelier sur Paris ou quelque chose comme ça? D'accord, ok. Je viens vraiment à titre personnel à l'événement. D'accord, super, très bien.
Parfait. Bon, en tout cas, merci pour la présentation. Merci beaucoup. Vous enverrez les photos. Avec plaisir. Merci beaucoup. En mode, je suis pas là. Attends, moi je suis quoi? T'as un page en vrai, hein? Ouais. On est plié à la limite. Ouais, non, c'est juste ça, fait des verres dans les mains. Et vous réinvitez madame à la rue. Ça retourne.
Est-ce que je peux vous proposer de faire un deuxième set à la dernière? Une mazurka. Et Lisa à droite, je contente, j'admire, et là, dame passe encore, Lisa à droite, je contente, j'admire. Emma, la passe encore une salle. Et sur solo, solo. Balance à gauche. Recule. Balance à gauche. sur le principe aussi simple et de faire maintenant une marche de Malbrou. Monsieur Drito, thank you.
calculer. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, vous êtes revenu à la maison. Alors, ceci sera le refrain. On le refait pour être certain. 7, marche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demi-tour, reculez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. En avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demi-tour, reculez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Reste maintenant la figure d'évolution. Je reprends votre place. Madame est merveilleuse. Monsieur, l'objectif, c'est de faire passer votre dame au monsieur de derrière. Et donc, une fois qu'elle est passée, vous devez vous préoccuper de récupérer la dame de devant. Pour le faire, je vais commencer par balancer vers l'intérieur. Je vais faire dedans et dehors. Et quand c'est fait, je fais passer madame de droite à gauche sans me retourner. C'est madame qui fait tous les efforts. Et je recommence. Dedans, dehors, et madame passe. Encore, dedans, dehors, madame passe. Encore, dedans, de stop. Monsieur, vous levez le bras, madame passe par dessous et vous récupérez la dame de devant de la main droite. Allez, marche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, demi-tour, reculez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, en avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, demi-tour, reculez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, évolution, dedans, dehors, madame passe. Encore, dedans, dehors, madame passe. Encore, dedans, dehors, madame passe. Encore, dedans, de stop. Madame, passe sous le bras, marche, 1, 2, 3, etc. Une gigue américaine. We'll be right back.
règle, c'est madame à droite. Il faut vraiment que vous le fassiez, sinon les chorégraphies ne fonctionnent pas. Vous prenez votre dame et vous la mettez à droite. Et là, normalement, j'ai une dame, un cavalier, une dame, un cavalier. Allez, recommence. Marche à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À 16, monsieur, vous retournez vers votre dame. Et là, tous les messieurs regardent vers l'arrière et toutes les dames regardent vers l'avant. C'est l'inverse. Et vous allez lui donner main droite à main droite. Main droite à main droite. C'est compliqué. Main droite à main droite. Allez, concentrez-vous. Vous donnez la main droite du monsieur à la droite de la dame. Magnifique. Vous voyez ces techniques, je sais. Et là, vous allez marcher, écoutez-moi, en faisant main droite, main gauche, main droite, main gauche. Monsieur, vous allez avancer vers l'avant de la danse, mesdames vers l'arrière, et vous allez croiser tout le monde. Vous vous passez les uns les autres, vous tirez dessus. Allez, marche. Et un, main gauche, deux, main droite. Un, main gauche, deux, main droite. Un, main gauche, deux, main droite. Un, main gauche, deux, main stop. Là, si vous avez perdu, ça fait partie du jeu. Quelque part, il y a une dame seule qui fait des signes. De l'autre côté, il y a un monsieur seul qui court. Allez, ça galope. Vous l'attrapez et vous partez en one step. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Grande ronde à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Monsieur, retournez-vous. Grande chaîne. Main droite, 1, main gauche, 2, main droite, 1, main gauche, 2, main droite, 1, main gauche, 2, main droite, 1, main gauche, en coupe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et grand cercle à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il m'arrive une catastrophe. Je n'ai pas mon accessoire principal sur moi alors que je l'avais tout à l'heure. 2 secondes. Alors, je me permets de faire juste un appel pour savoir, est-ce que dans l'espace, il y aurait un gendarme ou un policier ? Allez, on y va.
Ah, voilà.